Go. Rouge-gorge vit dans mon jardin. Il a les yeux brillants et des veines comme toutes douces. Il est beau et joyeux. Il adore jouer dehors avec ses amis oiseaux, mais il n'aime pas le froid de l'hiver. Bravo. Go. Par un beau matin, à la fin de l'hiver, les anges bleus sont tranquillement sur un trampoline. Lorsque Rouge-gorge passe devant elle à toute vitesse. Ok. On ne bouge pas tant que je ne l'ai pas dit. Go. Si Rouge-gorge vole si vite, c'est que les chats sont assez trousses. Mieux vaut que je déguerpisse moi aussi. Se dit mes anges bleus. Ok. Go. Mais dans Charbonnière qui prend tranquillement son bain dans la rivière remarque l'envol de son ami. Si mes anges bleus volent à cette vitesse, c'est qu'une violente tempête arrive. Je ferai bien de prendre mon bain plus tard. Se dit mes anges Charbonnière. Vous attendez que je dise go, vous comptez 2 secondes dans votre tête et vous démarrez. Go. Hup, facile. Qui mange goulûment des limaces à la sauce araignée voit son compagnon passer devant elle. Si mes anges charbonnières volent aussi vite, c'est que les bûcherons coupent les arbres de la forêt. Je ferai bien de remettre mon repas plus tard. Stop. Ok, bravo. Go. Merle noir, quant à lui, fait tranquillement ses besoins derrière un buisson lorsqu'il voit Hup Facile passer rapide comme un éclair. Si Hup Facile vole ainsi, c'est que l'écureuil roux a faim et doit la poursuivre pour voler ses œufs. Alors il s'envole à son tour. Stop, c'était très bien. Go. Après avoir volé un peu de moment, Merle Noir rencontre une facile étouffée dans un champ. Que se passe-t-il? Demande Merle Noir. Stop. Go. Je n'en sais rien. C'est à mes anges charbonnières qu'il faut demander. Quand je l'ai vu passer très vite, je me suis dit qu'il valait mieux que je remette mon goûter à plus tard et que je la suive. Stop.